Là, on va s'ancrer dans les pieds, mais vraiment sentir qu'on est sur l'avant des pieds, c'est-à-dire sur la partie ici qui permet vraiment un appui de repousser. Voilà. Ouais, allez Laura, il faut encore les pieds un peu plus parallèles, surtout celui-là. Il faut vraiment sentir que c'est cette partie-là du pied qui va repousser. Très bien. Voilà. Alors, on va, dans cette position-là, on lève un seul bras. Et ce bras va nous emmener, donc vous allez lever le bras droit, donc le bras va nous emmener vers la gauche. Mais attention, c'est pas la main qui nous emmène vers la gauche, c'est le coude. Voilà. Et on va le plus loin possible en tournant, en pivotant autour dans les jambes. Qui fait que si vos genoux sont un peu tendus, voyez ici Laura, vous avez vos chevilles, retournez-vous pour me regarder, vous avez les chevilles qui en fait ont tendance à se redresser au contraire. Alors qu'en fait, voyez, quand je fais ça, il faut au contraire quasiment que je descende dessus, voilà, pour tourner plus loin. Ok ? Et une fois que vous êtes là, vous descendez ce bras, ce coude, vous montez l'autre et c'est l'autre qui vous entraîne vers la droite. Ça fait ça. Hop, hop, hop. Allez, commencez à amorcer le mouvement. Oui, bien Viviane, bien. Voilà, il faut sentir que ça vrille dans tous les endroits du corps. Ça va, possible? Oui, voilà, se contracte bien ici. Oui, travaille bien tes abdos, Christian. Lâchez votre thorax. Soufflez. Et le menton, Viviane? Voilà, Laura aussi. Voilà. Oui, très bien. C'est vraiment comme une vague. Très bien, mais sauf que là, vous avez inversé. Non, c'est bon, excuse-moi, c'est moi qui n'ai rien dit. Si, vous avez inversé. C'est le bras, c'est celui-là qui vous emmène à gauche. C'est le droit qui emmène à gauche et le gauche qui emmène à droite. Oui, voilà, super. Allez, ben, on accélère un peu le mouvement. On continue. Voilà. Allez, et on accélère encore. Toc. Toujours dans la vague. On fait toujours une vague. Voilà, fais attention, Odile, reste pas trop droite sur ton dos. Hein. Il faut vraiment que tu aies une vague aussi qui vienne dans le dos, que tu te penches vers l'avant. Voilà. Oui, penche-toi ici. Voilà, oui, très bien. Très bien, c'est très joli en plus. Toc. Voilà. Voilà, oui. Ça doit être un exercice qui doit être très agréable à faire, normalement. Et vous le faites très bien tous. Super. Voilà. Et vous relâchez. Et vous sentez comment vous êtes avec ça. Ça va? Sentez que ça doit vous délier un peu de là. Hein? Ok? Donc maintenant, vous allez vous amuser pour poursuivre cet exercice. Vous allez du coup vous amuser à... On part de l'idée du bras, mais on pousse aussi avec son pied et on y va avec... Je suis trop à monter le bras. On y va vraiment dans ces rotations où tout tourne autour. Allez, et on suit le rythme. Voilà. Top. Hop, et on pousse dans les pieds pour se redresser. Hein, c'est pas le dos qui tire. Continuez, hein, c'est pas le dos qui tire. Et surtout là, c'est pas le dos qui tire, c'est les ventres qui... Et voilà, et le pied qui pousse. Allez, oui, bien, bien. Super, super. Très bien. Voilà,
C'est bien, on a l'impression que vous prenez beaucoup de plaisir. La cheville plus souple, Pascal. Allez, on avance bien le tibia, on avance bien le tibia. Voilà, oui, sentir que c'est le pied qui pousse, allez Laura. C'est le pied qui pousse quand on va. Par exemple, c'est le pied pareil, c'est le pied gauche qui va pousser vers la droite. Hop, et hop. Et là, voilà, vous avez tendance à vous redresser au moment où vous tournez. Alors qu'en fait, il faut, hop, c'est bras et jambes en fait qui poussent. C'est une poussée et pas une traction. Ouais, voilà. Oh, ça va Viviane? C'est agréable, non? Ça dérouille énormément. Ça, c'est un exercice, cet exercice-là avec le début, avec le bras qui emmène, et puis après, petit à petit, accompagner tout, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire tous les matins au réveil, quand vous vous levez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire au moment où vous vous levez. Mais par exemple, vous allez préparer le café, commencer à faire le petit déjeuner et vous activez ça. Et ça, ça active vraiment votre corps parce que ça l'active dans des rotations. Et l'activer dans des rotations, c'est beaucoup mieux que de l'activer justement en antéro-postérieur. On n'est pas fait pour fonctionner comme ça. On est fait pour tout travailler dans toutes les rotations. Commencez par un test. Alors attention, un test ne doit pas être en force. Vous n'êtes pas chargé d'arriver à faire le mieux possible, vous êtes chargé de ressentir ce que vous pouvez faire dans l'instant T maintenant. Vous rappelez après, on enlève des verrous et on voit si justement on a progressé dans cette capacité à mobiliser certaines zones. Rappelez-vous que plus on force, plus on renforce la problématique. C'est OK? Donc là, simplement assis comme ça, vous ressentez comment vous êtes dans le bas de votre dos. Si vous êtes plutôt assis sur l'arrière des fesses, si passer un petit peu plus en avant des fesses est difficile, si ça fait plier les genoux ou pas, et vous mettez vos mains sur vos genoux et sans forcer, vous avancez vos mains vers vos pieds et vous voyez jusqu'où vous allez. Sans forcer, vous restez un petit peu là pour qu'on ait le temps, que j'ai le temps de voir jusqu'où vous allez, voir ce qui se passe. Voilà. Et surtout vous prenez un repère de jusqu'où vous allez naturellement, enfin spontanément. Voilà. Puis pour revenir, vous ramenez bien vos mains posées sur vos genoux, vous les ramenez pour détendre votre dos. OK ? On va voir que ce qui limite beaucoup, ce sont des muscles qui sont sur le côté ici et qui empêchent très souvent justement de se pencher en avant au niveau du bassin. Vous voyez la différence entre, on l'avait fait déjà dans des exercices, se pencher dans les hanches ici ou se pencher dans le dos. Et quand on n'arrive pas à se pencher dans les hanches, la plupart du temps, ce sont des muscles qui sont en travers ici sur le côté du bassin, qui s'appellent notamment le groupe des muscles pelvitro-cantériens. Donc c'est un nom un peu barbare pour donner tout un groupe de muscles. Ces muscles ont un rôle important puisque effectivement parfois ils vont être freinateurs quand ils sont raides, mais en même temps c'est eux qui vont énormément donner des stabilités du bassin et permettre justement à la fois les rotations du fémur par rapport au bassin, du bassin par rapport au fémur et en même temps les contrôler. Donc ça contrôle une statique du bassin qui est importante. C'est pour ça qu'il faut à la fois qu'il soit souple mais qu'il soit tonique, comme tous ces muscles-là dont on a besoin. Donc là, on va faire un exercice que la plupart d'entre vous connaissent, mais qui est très souvent mal fait, parce que pas assez connu dans son objectif. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'enlever des verrous, de diminuer les tensions de ces muscles-là. Donc vous allez tous commencer par la même jambe, vous allez plier votre genou droit, et vous allez le poser à côté du genou gauche, donc à l'extérieur du genou gauche. Voilà, à plat si possible. Très bien. Vous allez attraper votre genou droit avec votre main gauche. Si même c'est possible, avec le coude gauche, comme le fait Yadviga. OK, voilà.
Voilà. Si c'est trop dur, Viviane, on le fait avec la main. L'idée, c'est de tirer le genou droit plutôt vers la gauche, mais sans que la fesse droite ne décolle du sol. Ok ? Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez tendance à faire quoi ? Vous avez tendance à reculer votre épaule droite pour compenser cette vrille. Donc maintenant, l'idée, ça va être d'empêcher cette contre-vrille. Donc vous allez monter votre bras droit vers le plafond, mais attention, ce que je veux, c'est que vous montiez le coude et surtout pas que vous cherchiez à tendre le bras. On tend un peu le bras, mais on ne le tend pas à l'extrême. Ce qui compte, c'est de monter le coude. Très bien. Vous allez avancer votre épaule gauche, votre épaule droite. Voilà, c'est-à-dire pour empêcher cette rotation. Donc vous montez l'épaule. Et là, vous allez tirer le coude vers le plafond pour sentir que ça fait monter l'aile iliaque droite. Je vais le montrer. Je vais le montrer sur Angélique qui est bien placée. Voilà, ça doit faire monter ici cette partie. Voilà, ça. Ça va ? Donc le traction sans tendre le coude, sans tendre le coude. Voilà. On tire sur le coude pour tirer sur la crête iliaque. Et en même temps, vous soufflez pour descendre votre sternum. Voilà. Allez, Viviane, on tourne vers ici. Quand on tire, on ne part pas en arrière. C'est cette partie-là. Allez, allez. Voilà. Voilà. Christian, on va essayer de bien redresser le dos ici. Voilà. Redresser carrément la crête iliaque ici. Vous sentez ? Donc le coude doit tirer la crête iliaque et vers l'avant. Voilà. Très bien. Voilà. Martine, avancez bien l'épaule droite. Vous vous rappelez que quand on fait une mise en tension, on ne tire pas, on essaie de rester dans cette position et de souffler. C'est bien, Viviane. Voilà, c'est pas pincer les lèvres, souffler, c'est lâcher le souffle. Voilà. Allez, on avance un petit peu ici. Très bien. Voilà. Alors, pour lâcher ça, vous commencez par plier le coude, par descendre l'épaule. Voilà, petit à petit, vous relâchez votre jambe droite et vous la rallongez. Et vous allez regarder comment elle est par rapport à la gauche. Oui, c'est normal, c'est le but. Vous allez tous grandir. Et maintenant, test du milieu. Vous remettez vos mains sur vos genoux. Vous avancez vos deux mains et vous voyez s'il y en a une qui va facilement plus loin que l'autre ou pas. C'est rigolo, hein? Voilà, donc vous voyez, on a fait lâcher un côté. Redressez-vous bien en relâchant les mains, les coudes et tout ça. Voilà. On a fait lâcher un côté. Donc, on va faire l'autre côté pour permettre que, du coup, derrière, on ait avancé sur les deux hanches. Il faut savoir que là, on libère cette partie-là. L'idée, c'est pas de se grandir en mettant le sternum en avant. C'est vraiment de verticaliser ses iliaques. OK ? Vous voyez bien ce que je veux dire. C'est les iliaques sont là et on les verticalise. Voilà. Donc là, vous avez un bassin avec le sacrum qui est là et les deux ailes iliaques ici et la hanche ici. Donc quand vous êtes assis comme ça et en fait les muscles qui sont entre la hanche et l'aile iliaque vont avoir tendance à empêcher l'aile iliaque d'avancer sur le fémur. Vous voyez ? Donc quand je vous demande de faire cet exercice, finalement c'est ça qu'il faut faire et surtout pas, on va le faire après d'une autre façon, mais surtout pas le faire en pliant le dos. C'est vraiment, je monte mon bassin ici, je le verticalise. Voilà, c'est vraiment cette idée-là de verticaliser ce qu'on appelle l'iliaque par rapport au fémur. Parce qu'autrement, on est comme ça et on force sur son dos. Et là, des fois, on a des gens qui nous appuyaient sur le dos, vous savez, pour essayer d'avancer, alors qu'en fait, c'est dans le dos qu'on plie et c'est là que c'est raide. Donc, c'est un exercice très important que je vous encouragerais beaucoup à refaire très régulièrement. Quand on est coincé dans les pelvitres cantériens, l'idéal, c'est vraiment de les faire lâcher petit à petit, 5 minutes tous les jours. Et là, ça lâche très bien au bout d'un moment, parce que c'est des muscles très profonds et très costauds. Donc, c'est important de les faire lâcher. Maintenant, vous mettez votre pied gauche à droite du genou droit. Vous prenez votre genou avec le bras gauche. Vous laissez bien la fesse gauche appuyée sur le sol.
Voilà. Et là, vous sentez que vos épaules, l'épaule gauche a tendance à reculer pour échapper à la tension. Donc on essaie d'équilibrer ici, c'est un peu dur, hein, Tony. Voilà, on monte ici son coude gauche, sans le reculer, sans reculer l'épaule. Et on essaie de verticaliser son iliac. Oui, c'est bien, voilà, vous le sentez là, ouais. Tout en soufflant. Le coude ne sert qu'à aider l'iliac à monter. Ça va pour tout le monde? Voilà, bien en avançant l'épaule, parce que c'est une... Voilà, bien posé. Voilà, avancez bien, Yadviga, votre épaule gauche. Voilà, et redresser ici. Allez, c'est ça le travail, hein. Voilà, c'est bien, Viviane, bien. Essayez bien de poser votre fesse gauche, Viviane. Ouais, voilà. Faut arriver à... Le problème, c'est que quand on tire, on a tendance à monter la fesse. Et ce qu'il faut, c'est que ça soit la fesse, l'os iliac bascule. Voilà, essayez de rentrer le dos ici. Voilà, encore, voilà, là. Là, le travail est fait. Vous sentez la différence? Voilà, vous soufflez bien dans cette position et vous essayez de demander à votre corps de lâcher pour que ça devienne facile, tout simplement. Voilà, c'est bien Christian, il faut arriver à tourner bien ton épaule, voilà, et de redresser ici, voilà, encore, voilà, souffle bien, souffle bien, souffle bien, ne bloquez pas la respiration. Voilà, super, vous descendez votre coude, hop. Le bras, vous relâchez votre genou. Vous sentez comment vous êtes assis. Voilà, vous sentez que tout de suite, là je vous vois, la plupart vous êtes beaucoup moins vers l'arrière. Vous êtes plus facilement les mains posées sur les genoux. Tu vois, Christian, tu as moins besoin de poser tes mains en arrière pour tenir. Ouais. Et donc maintenant, vous faites le test tranquillement d'aller avancer, d'aller poser vos mains et vous sentez jusqu'où vous allez. Oui, dis donc Denis, hein, sacré avancée. Hein. Voilà, il faut vraiment que vous sentiez dans cet exercice que c'est le bassin qui pivote autour des hanches. Ce n'est pas le dos qui se plie. Voilà, parce que Angélique, elle est très souple dans son dos ici. Il faut vraiment que ça soit ici qu'on gagne. Voilà, très bien. Oui, c'est bien Viviane, pas trop forcé là. Regardez, relâchez Viviane. Voilà, vous relâchez les coudes. Et là, je vais vous dire, vous avancez votre bassin. Voilà. Voilà, et là, vous allez plus loin. Vous sentez? Voilà, il faut que ça démarre de là, sans en faire trop. Voilà, super. Relâchez. Bravo, bien, beau travail.